Ben moi j'adore le tournage parce que je suis en prise directe avec l'invention du film, avec la création, avec voilà, avec le et puis on est dans le tournage, on est encore dans le fantasme du film à faire, en devenir, etc. Le montage, c'est le rapport au réel, c'est tout d'un coup, c'est voilà, on a ce matériel là, on n'a pas autre chose, et il faut travailler avec. Mais là, j'ai réussi, j'allais dire, sur le film, je voyais les rushs très 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 souvent avec le monteur. Donc j'avais la montée, la redescente de manière assez rapprochée. C'est-à-dire que ce qui est horrible, c'est de toujours fantasmer sur un film et tout d'un coup d'être désespéré par ses rushs, parce qu'on se dit, oh là là, mais on a loupé, c'est pas aussi bien, etc. Donc je m'astreignais à regarder les rushs toutes les semaines, à en parler avec lui, etc. De façon à déjà prendre la mesure de ce qu'on a, parce qu'à un moment, il faut aussi être dans la réalité de ce qu'on a fait, de ce qui est réussi, de ce qui est moins bien, parce que c'est tout le temps un travail de deuil en même temps. C'est un travail en même temps de naissance, de faire naître les scènes, de faire naître les choses, et puis en même temps d'accepter qu'elles ne sont que voilà, c'est ça, quoi. Et c'est de travailler après avec. Et je pense qu'après au montage, on a vraiment réussi à retrouver vraiment le plaisir de l'écriture, le plaisir de faire fonctionner le récit, d'être avec les acteurs, justement, de trouver par petites touches le c'était très riche dans tous les cas, c'était une expérience qui était pas douloureuse.